قبل أن نبدأ، لا تنسوا أعزائي المشاهدين دعمي من خلال تسجيل الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى نبلغ عتبة 100,000 مشترك في القريب العاجل بحول الله تعالى. Oui, c'est vrai. Parce que cette offre-là, elle est claire et nette. J'ai vu qu'il y a eu des émissions de télé faites là-dessus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Moi, j'ai aucune. Ça m'embête de parler de ça, mais j'ai aucune envie de venir vous dire voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que je reçois. J'ai pas besoin de dire ça. C'est vraiment pour moi inutile. Mais par contre, ce qui est encore plus inutile, c'est qu'ils arrivent à faire des émissions, à interviewer un journaliste saoudien pour lui demander et si j'arrive devant ce journaliste saoudien et je lui montre un contrat chez Gulli, ou si j'arrive devant ces gens-là qui font cette démarche d'aller parler avec un journaliste saoudien, je lui dis vas-y, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Il va refaire une autre émission pour dire les gars, on tombe bien bas, les mecs. On tombe bien bas, et moi j'essaye d'échapper, j'essaye de pas répondre à ça. C'est peut-être vous qui avez un intérêt, moi j'ai aucun intérêt. Moi je veux la calmie, je veux la tranquillité pour l'équipe nationale, et je veux qu'on puisse travailler avec l'arrivée de tous ces joueurs dont vous souhaitiez leur venue. Ils sont là, alors créons un climat propice pour qu'ils puissent être tranquilles et qu'ils puissent créer de la joie au peuple, marquer des buts, gagner des matchs, faire des grandes compétitions. Voilà, ça mon intérêt. Et je ne veux pas perdre le Nord par rapport à ça. Déjà, vous me citez deux joueurs qui jouent au même poste, qui sont déjà des deux en concurrence, donc avec déjà d'autres joueurs qui sont là, sur cette, en parlant de Youssef Blaili et de Yassine Brahimi. Il y a déjà d'autres joueurs qui sont là, sur le même poste. Je suis dans un éternel suivi de tout Koul Laabin. Je sais ce qu'ils font, contrairement à peut-être, c'est normal, à vous qui regardez peut-être des highlights de temps en temps. Moi, je regarde les matchs entiers de tout le monde, hein, même de Youssef Blaili. Pourtant, j'ai vu ces quatre matchs. Pas que pour Youssef, parce qu'il y a Djamel Belhamri, parce qu'il y a du monde dans cette équipe du Mundial, des internationaux, pas des anciens. Donc, qu'ils continuent à travailler, je sais de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont déjà apporté à cette équipe nationale, et est-ce qu'ils sont capables d'apporter encore à cette équipe nationale. Et voilà, vous dire aussi que des joueurs dont vous venez de citer, peut-être que, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin dans la question et demander aussi aux joueurs si... Je sais que dans ces trois joueurs que vous venez de citer, je vous en ai déjà parlé d'un, à savoir Islam. Ils ont toujours avec Tomo, avec le Hamas, est-ce que c'est le cas de Gahadou Laibin? Donc il y a deux critères de sélection. Avoir un certain temps de jeu, être bon, et avoir toujours cette envie de rejoindre cette équipe nationale. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Des fois non, donc Adou, c'est à vous de faire vos enquêtes, à vous de poser les questions aux personnes. Gaba, c'est exactement la même réponse que tous les joueurs que je viens de citer auparavant. Gahadou Laibin li Djao, les Gounakoum, le travail est fait, et je vous ai dit plusieurs fois, quand on fait quelque chose, on n'est pas obligé d'aller je suis à tel endroit, j'ai parlé avec lui, ça, vous ne le trouverez pas chez moi. Quand je ne prends pas contact avec un joueur que j'estime être qui peut avoir une importance en sélection et qui peut être un apport ou une plus-value pour la sélection, je le dis sans problème. Si vous arrivez à me citer des joueurs que vous estimez être sélectionnables et avec lesquels j'ai pas fait le nécessaire, je vous dirai sans problème. Et c'est pour ça que je vous ai dit souvent, allez voir ces joueurs et dites-leur est-ce que le travail est fait. Donc Cherki rentre dans cette, Ryan rentre dans cette catégorie de joueurs. Les Denal Khedma, ça fait Zemen, même Kensrer, ça qu'on a Arfin, il avait le talent pour, aujourd'hui il le prouve encore.
ولكن دون لا ميم كاتيجوري كو ياسين عدلي. بلومي هذا جابريسي هذيك سو جور دو جوار كي خرجوا من نوتر شامبيونات et qui vont dans la difficulté, صعوبات في الاوروبا et qui arrivent à s'imposer. Au même titre que Amora, quel plaisir immense de le voir jouer à Anfield Road contre Liverpool, quand on sait d'où il vient. C'est vraiment, je tire mon chapeau à ce joueur qui est rempli de... Il me fait penser justement, ces joueurs-là me font penser un petit peu à un peu Islem Slimani quand il est parti très tôt et qu'il est parti s'imposer au Portugal. Ils sont dans la même démarche que ça. Que ce soit Amora, que ce soit les peut-être niveau moindre peut-être, les Kadri, les Organes, les Boudaoui, les Atta, les Ben Sebaini, voilà notre joueur Belloumi, qui est parti au Portugal tout seul, aller s'imposer dans une équipe de première division, jouer des matchs contre des grosses équipes telles que Sporting de Lisbonne, le FC Porto, marquer des buts, faire des passes décisives, finir meilleur joueur de son match. Istahel d'être au moins vu. Et ça ne veut pas dire qu'on soit clair. Je vous ai dit que cette date-là, c'est peut-être pas, sûrement pas tout l'effectif qui va jouer, mais au moins d'être fait avec le Mujmoa, qu'on puisse voir un petit peu à l'entraînement ce que ça donne de visu, et puis peut-être voilà, avoir peut-être la possibilité de jouer un petit peu. En tous les cas, c'est une sélection pour moi méritée. Voilà, Ntmenelo tout faire, et au moins s'il pouvait un petit clin d'œil à nos légendes. S'il pouvait voilà, se rapprocher un petit peu du niveau de son papa, ça serait bon pour tout le monde, pour lui, pour l'équipe nationale. Objectif déjà contre le Cap-Vert, c'est de gagner le match. Contre toutes les équipes, vous savez, c'est de gagner les matchs. Mais par contre, on va être... Toute compétition, tout match qui se présente à nous, c'est pour les gagner. Mais vouloir gagner, il faut aussi avoir l'humilité de se dire, l'humilité on l'a toujours hein, à la Koulihel. Tu peux être très humble et très ambitieux en même temps, c'est pas quelque chose de paradoxal. Sahna, dernière Coupe d'Afrique, il s'est passé ce qui s'est passé, donc on va rester tranquille. Omo, Moujoud. Ce qu'on a au fond du cœur, c'est clair. Et après, on va aller là-bas tranquillement avec. On sait ce qu'on veut faire.